Et salut tout le monde, c'est Shirel. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 5 de Détroit Become Human. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ravie de vous retrouver. Je me doutais qu'elle allait encore me couper la parole, elle. Hein. Donc on se retrouve pour l'épisode numéro 5. On avait donc laissé Kara qui s'était échappée par l'autoroute avec la petite fille en ayant Connor qui lui courait après. On avait eu Marcus qui avait enfin trouvé Jericho et apparemment d'autres personnes étaient présentes. Et Connor avait choisi de sauver Hank, son associé, plutôt que d'arrêter le suspect, ce qui avait monté leur amitié, ce qui était plutôt pas mal. Donc on va continuer le jeu et on va voir ce qui va leur arriver à nos différents protagonistes. Et comme d'habitude, on fera Kara, Marcus, Connor, et on en restera là pour cet épisode 5. C'est parti. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais j'aime bien votre décoration intérieure. Elle reflète vraiment votre personnalité. Enfin, j'aime bien. Écoute, tant mieux, si ma déco perso te plaît, j'en suis ravie. Donc on va voir tout ce qui va arriver à nos cyborgs. Vu que Marcus a enlevé sa puce, Kara a enlevé sa puce. Ah là là, ça va être compliqué tout ça, on va voir si on ne fait pas trop de bêtises. Comme d'habitude, je ne mettrai pas les mêmes réponses que j'avais mis dans ma première partie. Je découvre avec vous cette autre partie du jeu, puisque à chaque fois qu'on change les réponses, ça change le jeu. Donc on va voir ce qui va se passer. On se retrouve avec Marcus. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Kirsch. Je m'appelle Simon. Lars. Combien êtes-vous? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître. Beaucoup essaient d'atteindre Jericho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je croyais que Jéricho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens, mais je sens plus libre ici que tu ne l'as jamais été. Attendre dans l'ombre qu'il se passe quelque chose, ce n'est pas ce que j'appelle être libre. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. De
Ça fait longtemps que t'es ici? 4 semaines, 3 jours, 11 heures. Quand je me suis enfuie, j'avais nulle part où aller. Jericho m'a paru être une bonne solution. La plupart de ces androïdes sont dans sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Qu'est-ce que ça peut faire? Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé dans moi. Je vais voir si j'oublie rien. Ah, maintenant. Excusez-moi, j'ai la crève. Désactiver.
On a encore un cadenas, alors est-ce que c'est Lucie? Sûrement. Donc lui là-bas il cause. Non. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Simon, je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife, dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les pièces sont surveillées. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'est quelqu'un, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Alors, bon, l'arbre, maintenant, vous le connaissez. Donc là, on a vraiment tout débloqué. Donc, on va continuer. Alors, je pense que ça va être avec Kara. On est arrivé. Ah.
m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez. On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand indien. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Vous faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. On pourra commencer une nouvelle vie au Canada. C'est ce que tu veux, pas vrai? Excusez-moi pour le bazar. Je vais faire un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Viens, Alice. Par ici, je vous en prie.
Si tu veux bien monter là-dessus. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Hugo, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous rends. Ou je vous garde pour mes... Petite expérience. Non! Non! Je veux pas être formatée, laissez-moi! Yara! Oh! J'avais oublié la gamine. On referme là. Je m'en occuperai bien. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi, ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressembles plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi. Hein? Oh, elle t'a complètement oublié. Ah, allez, ça suffit, viens. Mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Rejoins-moi dans le salon.
Thank you.
apporte-le lui. Oui, Luther. Pose-le sur la table, là-bas. Enlève-moi cette carcasse. Et mets-la à côté. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui, Zlatko. Oui, Zlatko. J'aurai terminé dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes. Thank you.
Une attaque à main armée a eu lieu dans un supermarché de Détroit la nuit dernière. L'officier a déclaré avoir été agressé par un androïde accompagné d'une petite fille. Thank you.
Calme-toi. Thank you.
pris dans ton lit. J'aurais dû la mettre en pièce dès qu'elle est entrée. Et bien, comme c'est toujours, les problèmes.
Oula. Alors, il n'y a qu'une femme possible apparemment. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas déverrouillées. Mais bon, je vais passer au ralenti. Je vous laisserai regarder par vous-même. Hein, parce que si on étudie à chaque fois tous les arbres. Ici, il y avait deux possibilités. Ici, il y en avait plein d'autres. Donc, vous ferez pause pour regarder. J'ai pas pu prendre les munitions, par contre. Donc, ok. Donc, on continue. On va se retrouver avec Connor. Et après Connor, ben, on en restera là. Elle est où elle? Là-bas. Bonjour Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher? Semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être plus efficace. As-tu appris quelque chose? J'ai trouvé son journal, mais il est déchiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre? Il était fasciné par les oiseaux. On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie. Insectes, chiens, chats. Mais jamais à un tel degré. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Ça s'améliore. J'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Thank you.
Lieutenant Anderson! Du calme, Sumo. Je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Rentre dans l'île de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. La salle de bain. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous là? Désolé, lieutenant. C'est pas votre plan. Donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Vous devriez vous retirer de l'enquête. Ils la confieront à quelqu'un d'autre et je pourrai m'occuper de ma mission. Ouais, ta foutue mission, c'est tout ce qui t'intéresse. Écoutez, lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville? Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Est-ce que ça va, lieutenant?
Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. La présidente Warren a mis en garde de la Russie aujourd'hui lors de son discours devant le Congrès et a officiellement demandé à ce que les troupes russes se retirent. Mais il est clair que la tension monte entre les deux pays. De nombreux experts s'accordent à dire que la menace d'une troisième guerre mondiale se présente. Donc c'est son fils qui est mort. D'accord. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. Ok, donc, il n'y a qu'une fin possible. Donc l'arrivée chez Hank, il y avait plusieurs possibilités qu'on n'a pas explorées. Le chien de Hank attaque ou le chien, on l'a calmé, mais on aurait pu se faire bouffer, je pense, puisqu'il y a un verrou. Amener Hank dans la salle de bain, il y a un verrou. On avait le choix entre zébré, hippie, rayé, j'ai pris rayé, mais j'avais choisi hippie dans ma première partie, c'était assez marrant. Alors, il y a 1, 2, 5 indices qu'on n'a pas trouvé, mis à part la photo de son fils. Et puis, on est parti donc pour l'Eden Club. Voilà. Donc, ben, le prochain coup, ce sera l'épisode 6. Ben, on verra, je pense qu'on repartira sur Kara. On verra ce qu'il en advient, puisqu'elle part donc avec le grand Black, qui va les protéger et les mener quelque part en sécurité. On espère que ce coup-ci, c'est pour de bon. Au niveau de Marcus, on verra ben, si son idée d'aller sur les quais voler les matériaux dont ils ont besoin, c'est une bonne idée ou pas et comment on va s'y prendre. Et au niveau de Connor, ben, ce sera l'enquête et voir comment sa relation évolue avec Hank. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je m'éclate sur ce jeu, sur ce bain, plein de bibi, plein de zouzou, comme d'habitude. Hein. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Detroit Become Human, puisque vous le savez, les jeux narratifs, je ne les fais pas en live. Voilà, allez, bye bye!